Il y a eu disqualification dans l'épreuve numéro 15, série 2, couloir 0. Attention, swimmers and coaches, disqualification for event number 15, heat number 2, lane 0. Gagnant de la série numéro 1 du 100 mètres d'eau chez les messieurs dans un chrono de 1 minute 36, Ryan Thornley. Gagnant de la série numéro 2, winner of heat 2, lane number 4, couloir numéro 4, de Quinn Moore, dans un temps de 59.48. Gagnant de la série numéro 3, winner of heat 3, lane number 3, dans le couloir numéro 3, Ben Roberts de Green Mountain Aquatic Club dans 59-19.
Gagnant de la série numéro 4, winner of Heat 4 dans couloir numéro 9, lane number 9, Dimitar Ivanov, dans un temps de 58-86. Gagnant de la série numéro 5, winner of Heat 5, dans le couloir numéro 8, lane number 8, Matthew Myers, du club Lakeshore, dans un temps de 57-49. Trois séries à compléter aux 100 mètres d'eau chez les messieurs ce matin. Meilleure performance jusqu'à maintenant, un temps de 57-49 réalisé par Matthew Myers. La huitième meilleure performance, 59-56. Three heats to go this morning in the men's 100 backstroke. Top qualifier this morning with three heats to go. Matthew Myers in a time of 57-49. Eighth fastest time is 59-56. Je dirige votre attention, mesdames et messieurs, dans le corridor numéro 4 présentement dans l'eau. Jake Tapp, lui qui a participé dans cette épreuve aux derniers Jeux olympiques en 2008 à Pékin. Ladies and gentlemen, lane number 4, it's Jake Tapp. He was part of the Olympic team back in 2008 in this event. C'est remporté dans le corridor numéro 4. Winner of Heat 6, lane number 4, Jake Tapp, 56.38, la meilleure performance jusqu'à maintenant ce matin, alors qu'il reste deux séries à compléter chez les messieurs 100 mètres d'eau. Présentement dans l'eau, dans le corridor numéro 5, Pascal Wallach de University of Calgary Swim Club. C'est lui qui détient le record canadien dans cette épreuve, un temps de 53.63. Il a participé au dernier championnat du monde en 2009. Lane number 5, it's Pascal Wallach from the University of Calgary Swim Club. He is the Canadian record holder in this event, 53-63.
set back in 2009 at the World Championship Trials in Montreal. Également dans le corridor numéro 4, il y a Matt Hawes. C'est lui qui détient le record canadien aux 200 mètres d'eau. And in lane number 4, it's Matt Hawes. He is the Canadian record holder in the 200-meter backstroke. Et le gagnant de la série numéro 7, winner of heat number 7, couloir numéro 4, lane number 4, Matt Hawes en 55.92. Dernière série ce matin au 100 mètres d'eau chez les messieurs. Meilleure performance jusqu'à maintenant réalisée par Matt Hawes, 55.92. Huitième meilleure performance, 57.53. Last heat this morning in the men's 100 backstroke. Fastest time this morning so far with this last heat to go, 55.92. It's Matt Hawes, 8th. Fastest time is 57.53. Présentement dans l'eau, dans le corridor numéro 4, le meilleur temps d'entrée, 54-19, c'est Charles Francis du Club de natation piscine du Parc olympique, lui qui a participé au dernier championnat du monde en 2011 à Shanghai. Donc la marque à battre ce matin, 55-92, Charles Francis qui terminera en première position dans un temps de 54-77, ce qui le place au meilleur rang pour la finale de ce soir. Winner of heat 8 in lane number 4, Charles Francis, 54-77. Fastest time this morning in the men's 100 backstroke. Je dirige maintenant votre attention du côté du tableau des résultats où vous verrez défiler les résultats du 100 mètres d'eau chez les messieurs. Je vous rappelle que les 8 meilleures performances seront en finale A ce soir, les 10 suivantes en finale B, à l'exception des nageurs qui proviennent de d'autres pays. Ils n'auront pas accès à la finale A. Pay attention to the scoreboard for the official results in the men 100 backstroke. Top 8 qualifier will be swimming tonight in the A final, and the next top 10 will be in the B final. Just to remind you that these results include foreign swimmers, but they are not allowed to advance in the A final.